conclusion en deux. Pas de vacances, pas de grimpe. Non, vraiment, mes parents travaillaient, du coup j'étais à la maison avec ma sœur. Ouais. Et puis. Et tu crois que ça a pu jouer dans la façon dont tu t'es passionné, ou t'es déjà passionné à ce moment-là? Ah non, à ce moment-là, c'est déjà H24, c'est là dans tous les sens. Ouais. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, j'ai acheté un CD qui s'appelle Les Années Warner, qui est un des premiers albums de Goldman. Et du coup, voilà, j'ai acheté ce CD à ce moment-là. Ouais. Et c'est ce CD-là qui m'a fait vraiment aimer Goldman et toutes ses musiques. Et du coup, là, en repensant à ça, je repensais à ce CD-là, et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai appelé ça Les Années Warner. D'accord. Ouais. Mais c'est pas mentionné. Non. Hein, c'est ça. Donc c'est complètement. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, ils puissent peut-être écouter de la musique. On commence sur une page de droite, et à ce moment-là, on rajoute encore une page blanche sur la page de gauche. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait un chapitre-titre. En soi, ça me gêne pas. Ce qui me... Les Années Warner. C'est Les Années Warner. Si on le met, il faut qu'on l'ait compris dans le... Je ne sais pas comment ça a chanté, hein, quoi. Je t'ai dit que pour toi, je ferais n'importe quoi. J'irai même jusqu'à travailler, ne ris pas. T'as un dessin qui marche tout seul, c'est ça? Ouais. Non, qui doit arriver avec un effet de surprise. Pour la page de gauche, en verso. Dans la mesure où on fait le lien à la fin de ce texte-là, pour moi, l'idée de titrer là, ça peut fonctionner. Il faudrait l'essayer. Hein. C'est vrai qu'en plus, le flashback, c'est vrai que on comprend que Fabrice est ton entraîneur, tu vois, on comprend que c'est la veille du championnat du monde, mais tu vois, si sur ce petit texte-là, en plus, que toi, tu t'es approprié, on peut donner un peu plus le contexte, ce serait quand même pas mal. Tu t'écoutes de la musique en grimpant, c'est arrivé quand tu t'en... En grimpant, non, parce que du coup, quand je suis un peu concentré quand même, quand je grimpe. Mais à côté, oui, beaucoup. Ouais. Et pas quand tu t'entraînes, pas quand tu... Non, quoi, je mets la radio en fait. Au gymnase, c'est compliqué de... Ouais. Et puis, en compétition un petit peu avec les écouteurs pour se mettre un peu dans sa bulle, ouais. Et puis pas subir l'atmosphère autour. Mais sinon, pas dans ma vie de tous les jours, tout le temps chez moi, je mets la musique, je mets un CD, je mets la radio, je mets l'ordinateur et le silence, ça n'existe pas trop chez moi. L'idée de départ de ces interchapitres, c'était que je trouvais qu'on parlait beaucoup du coup de mes voyages aux quatre coins du monde, ouais. Mais pas trop des compètes. Ouais. Et que du coup, c'était quand même 99% de mon temps. Ouais. Du coup, je trouvais qu'il fallait. Et que ça me paraissait délicat et dur de faire des chapitres entiers de compétition. Ça va être tout le temps la même chose, un mur de gymnase, c'est bon. Enfin, ouais. Et du coup, de là, on a un échange avec Fleur, on a eu cette idée-là de juste, c'est ce qu'elle avait proposé, une photo, un petit texte, et du coup, c'est comme ça, ça introduit. Surtout que ça fonctionne bien, et c'est un autre mode de récit, mais avec des dialogues assez vivants, puis assez comment dire, un mélange de terre à terre, c'est des trucs très concrets, de qu'est-ce qui se passe vraiment quand on est dans une compète, moi ça m'intéresse de découvrir tout ça. Et puis aussi quand même un peu de réflexion, donc ça, je trouve que ça marche très bien. Et donc tu grimpais au collège et là tout d'un coup t'as plus de... Bah, du coup le collège est fermé, il n'y a plus de rien et du coup c'est là que mon père me fait un petit mur au fond du jardin, de 1 mètre sur 1 mètre. Du coup je peux faire comme ça. D'accord. Et voilà. Petit mouvement. Et puis voilà, ouais, c'est juste... à la fois l'attente et à la fois la peur de partir de la maison, quoi. Ouais. Et là où je trouve que c'est confortable, c'est qu'on a un truc qui est... Enfin, moi, déjà, la version d'avant, je trouvais que j'ai tout à fait confiance dès le début. Je me suis dit, ça y est, on tient quelque chose de vraiment fort et qui m'a appris, quoi, qui m'a happé, qui m'a... Donc, je suis confiant, quoi. Et je pense que... Alors, c'est toi qui vas juger de jusqu'où tu veux... comment tu vas gérer le temps que tu te donnes, qu'est-ce qui est possible. Ça reste un mois. Quoi. Un mois. Sachant que nous. Un mois pour la dernière planche. Dans un mois. Sachant que nous, pendant ce mois-là, il faut qu'on avance en parallèle sur les textes, sur le design.